qu'est-ce qu'elle dit là? Ouedraogo, princesse, vous aviez pris mon argent, vous n'aviez pas prié pour moi. Encore merci, merci encore. Quand vous êtes venu en France, j'ai appelé soi-disant votre assistante. Elle me réclame de l'argent encore juste pour avoir la prière. Cela me touche vraiment. Dieu a donné gratuitement. Il dit de partager gratuitement. Faites pour cela que Dieu vous... Elle s'appelle comment là déjà? Ouedraogo, princesse. À plusieurs reprises, je suis venu sur ma page et je vous ai dit, il y a, si vous tapez sur Facebook, Elie, prophète Elie Pada, mais des milliers de pages sortent. Je ne sais pas qu'est-ce que les arnaqueurs ont vu sur moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu as compris? Je ne sais pas. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont sur moi. Mais tous les jours que Dieu fait, il y a beaucoup de pages Elie Pada. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Tu es en France là-bas. J'ai fait annonce. J'ai dit, vous qui êtes en Europe là, rentrez dans les familles WhatsApp. Entrez dans les familles WhatsApp. J'ai mes enfants. Moi, j'ai mes enfants. Pour qui je suis prêt à donner ma poitrine et qui sont prêts pour Elie Pada. Isabelle Debaros, Georgette Baliba Bekuta, Fatou Keo, Inès Koutoua, on n'en parle pas. Pelagie Okobe, ces gens-là. Donc, il ne faut pas te tromper de personne. On vous a dit d'entrer dans les groupes WhatsApp. Tu dis, je suis allé à Paris. Je me suis, même mon propre village, je suis allé là-bas 3 fois. Tu as compris? Mon propre village même là, je ne connais même pas bien. Je suis allé dans mon propre village 3 fois. Depuis que je suis né, j'ai mis pied dans mon propre village. Et c'est 3 fois même. 2 fois. Si tu me redemandes de prendre la route pour repartir dans mon propre village, là, je ne connais pas. C'est à Paris, je suis parti. Hein? Ce n'est pas opportunité qui me manque pour aller aussi à Paris. Ce n'est pas opportunité. D'accord. Donc je veux juste d'abord que tu saches. Ce n'est pas une opportunité pour aller à Paris ou bien voyager comme plein de gens que vous voyez à gauche, à droite qui voyagent. Ce n'est pas ça qui me manque. Dans mon inbox, les demandes d'invitation pour aller en, pour voyager là, il y en a plein. Même des pasteurs qui veulent juste que j'aille dans leurs assemblées, etc. Mais je marche par l'esprit. Le Saint-Esprit m'a pas encore dit sors. Le Saint-Esprit m'a pas encore dit ça. Il m'a pas encore dit sors. J'ai fini ton habillage, j'ai fini ton revêtement, j'ai fini de faire le travail que j'ai à faire en toi, j'ai fini de faire ce que j'ai à faire en toi. Sors. Il ne m'a jamais dit ça. Sinon, si c'est pour partir en Europe là, il me suffit de passer un coup de fil à mes enfants qui sont en Europe là, pour leur dire, organisez-moi un programme tout de suite, louer une salle de 500 places ou de 1000 places. Ils vont me louer la salle et puis Paris là sera, la salle sera remplie. Et je le dis bien, la salle sera bourrée et les miracles que Dieu va faire seront des miracles authentiques, purs. Aucun de mes enfants ne va aller louer un malade là-bas. Aucun. Et les miracles que Dieu fait à la cité de Dieu là, il va répéter et même faire plus même là-bas. D'accord. Donc, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé pour sortir. Je ne suis pas pressé pour sortir. Parce que quand je vais sortir sur le plan, je vais sortir sur, comment on appelle ça, l'ordre du Seigneur. La seule chose qu'il m'a dit de faire, c'est Jésus chez vous. Il m'a dit de faire. Donc, ma fille, faut pas venir sur mon Facebook et puis tu vas venir dire des choses comme ça. Je suis en direct. Je suis suivi par plein de personnes. Mes enfants sont en ce moment-là, en direct, en train de me suivre, plein de mes fils et mes filles. C'est moi qui ai dit à mes enfants spirituels, tous ceux qui prennent mon ministère, mes filles qui sont à Abidjan ici, à la cité de Dieu, mes fils qui sont en Europe, aux États-Unis, j'ai dit à aucun de mes enfants de répondre à aucune injure sur Elie Pada. C'est pas l'éducation que je leur ai donnée. Sinon, la réponse que tu as mis là, le commentaire que tu as mis là, ils allaient aller te répondre. Mais je leur ai dit non. Le Dieu qui a conquis moi mon cœur est un Dieu d'amour et de douceur. Vous ne répondrez à personne. Les gens n'ont qu'à me prendre, ils n'ont qu'à m'insulter, ils n'ont qu'à me traîner. Taisez-vous. Abidjan ici là. Nous allons marquer la différence. Quand on va voir un Pada,
son caractère, son humilité, sa douceur sera différente des autres. Ils n'ont qu'à m'insulter, laisser. Sinon, ils allaient aller te répondre. Faut aller bien voir qui t'a arnaqué. Hein. Je ne suis pas dedans. Hein. Je ne suis pas dans ça là. Hein. Faut bien te renseigner à Abidjan ici. Renseigne-toi bien à Abidjan ici. Je n'ai loin de là l'idée de me glorifier. Jamais. Oh, mais que Dieu m'en garde. Que dans mes propos, le Seigneur enlève une quelque. Que dans mes propos, le Seigneur ne. Il n'y a aucune envie de me glorifier. Aucune glorification dans mes pensées pendant que je parle. Mais renseigne-toi à Abidjan ici. On va te dire qui a été l'une des premières personnes qui ne vend pas huile. L'une des premières personnes qui a envoyé ça à Abidjan ici. Qui vend pas huile, qui vend pas sel, qui vend pas l'eau, qui donne gratuitement. Renseigne-toi. Ils vont bien te dire. Non, je suis pas. Faut aller chercher qui t'a arnaqué. Hein. Faut aller chercher qui t'a arnaqué. Donc, mon nom là, déposez ça ici. Faut aller chercher qui a pris ton argent. Je me suis connecté, j'ai des messages sur même sur notre nation, sur les nations à donner au peuple de Dieu. Je vais aussi donner quelques prescriptions par rapport au culte de demain. Et tu me parles de oui, toi et moi on a parlé. Même en inbox, je ne parle pas avec quelqu'un. Ah non, c'est pas moi, hein. Je fais pas ça. Je fais pas ça. Tous les malades qui viennent tous les dimanches à la cité de Dieu demandent à un malade, si on a dit à un seul malade de donner 5 francs pour que le prophète prie pour lui. Faut demander si on a dit à un malade, quand ils viennent, ils écrivent leur nom là. Si un seul malade, quand on l'a enregistré, on a dit payer 2000 ou payer tant. Un seul, faut leur demander. Moi, j'ai dit à mes fidèles, j'ai dit au peuple qui me suit, tous les rachetés qui sont connectés là, quand j'ai besoin d'argent là, je me mets en direct et puis je leur dis, aidez-moi, on doit financer l'huile, on doit faire tant. Et c'est le peuple du Seigneur qui envoie l'argent pour faire l'huile. Et je ne vends pas. Eux-mêmes qui donnent l'argent pour faire l'huile, je vends à leurs parents. Mais c'est que moi, je suis maudit. Je ne fais pas ce genre de choses là. Hein. Donc, il faut bien te renseigner qui a pris ton argent. Je vous ai toujours dit, si vous êtes connecté sur la page, une page, et puis vous voyez, le prophète Eli Pada. Et cette page n'a pas plus de 42 000 abonnés. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. La page officielle d'Eli Pada a 42 000 abonnés pour l'instant. Sinon, si tu vas sur une autre page, et puis il n'y a pas les 42 000 personnes abonnées, c'est-à-dire si tu regardes et puis on te voit, on te montre suivi par 42 000 personnes. Si tu n'as pas vu ça, ce n'est pas Eli Pada. Ce n'est pas moi. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont contre moi. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont contre moi, ces arnaqueurs-là. Je ne comprends pas. Tu vas sur Facebook, s'il vous plaît. Faites exprès même. Et puis allez tout à l'heure là, dans les moteurs de recherche, tapez Eli Pada. Vous allez voir plein de noms Eli Pada. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont contre moi. Pour les brouteurs là, écoutez, faites attention. Hein. Dieu a été patient envers moi pour me permettre de quitter dans le péché pour venir à lui. C'est pourquoi, vous les brouteurs là, je ne vous maudis pas, hein, mais faites attention. Hein. Je ne vais pas permettre que vous preniez mon image et vous continuez de salir mon image. Si vous ne vous calmez pas avec moi, je vais vous maudire un à un et vous allez mourir un à un. Vous tous les brouteurs là, je vais vous maudire un à un. Ou vous tous qui êtes en bas de ce sabotage là, je vais vous maudire un à un. Et vous saurez si je suis serviteur de Dieu ou pas. Ou si mes paroles sont des paroles en l'air, ou si mes paroles sont une épée à deux tranchants. Arrêtez avec moi, hein. Arrêtez avec moi, arrêtez avec moi. Mon nom vous prenez pour aller arnaquer des pauvres femmes, arnaquer des gens, arnaquer des gens. Arrêtez avec moi, hein. Arrêtez avec moi. Arrêtez avec moi. Arrêtez avec moi. Hein. Je ne suis pas le seul homme de Dieu en Côte d'Ivoire ici. Arrêtez avec moi. Ce broutage, ça ne marche pas. Je vais vous donner un conseil, vous les brouteurs. Ce broutage ne marche pas. Je m'adresse à tous les brouteurs de Côte d'Ivoire. Ce broutage ne marche pas. C'est très simple. C'est très simple. Acceptez Jésus. Venez, on va essuyer les chaises. Venez, on va aller évangéliser.
Venez, on va aller dire alléluia, amen, Jésus est Seigneur. C'est tout. Vous êtes dans quelque chose, ça ne marche pas. Vous utilisez médicaments, ça ne marche pas. Vous utilisez, je ne sais pas quoi, quoi, ça ne marche pas. Même les blancs sont fatigués de vous. Alors donc, arrêtez. Arrêtez le broutage là. Au début, vous avez commencé, ça a pris. Au début, vous avez commencé vos histoires de broutage là, autant des doux sagas là, autant de leur couper décalé là. Hein? Ça a pris. Mais maintenant là, arrêtez. Vous faites quelque chose là, ça ne prend plus. On se rend compte de la natte, de votre forfaiture. Mais arrêtez. Vous laissez maintenant médicaments. Vous laissez maintenant sacrifice que vous êtes en train de faire là. Sacrifice, vos rituels. Et vous venez maintenant dans le milieu chrétien. Et vous prenez le nom des pasteurs. Vous prenez le nom des hommes de Dieu. Tellement vous... Mais attendez. Quand ça broutage là, ça ne marche pas là. Mais laissez. Nous les pasteurs, on vous a fait quoi? Déjà même, nous les pasteurs, on est détestés. Les gens disent tout. Et n'importe quoi sur les pasteurs. On dit tout. Et n'importe quoi sur les hommes de Dieu. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ou? On dit tout sur nous. Il y a quoi? On dit on est des voleurs. On dit on prend dîme des gens. On dit Dieu ne nous utilise pas. Et puis vous venez encore rajouter. Avec votre. Mais j'ai dit, les gars, broutage là, si ça ne prend pas là. Mon frère, broutage là, si ça ne prend pas là. Viens te donner un conseil. Si ça ne prend pas là, viens. Tu vas jouer commando dans mon église. Viens, on va essuyer les chaises. C'est mieux. Tu es dans broutage, ça ne prend pas. Et puis tu es dedans, tu te muscles dedans. Tu n'as pas honte. Quand tu finis d'arnaquer une pauvre dame comme ça, il y a la pauvre femme là, ou Drago princesse. Tu as fini de prendre son argent. Tu as mangé là, ça t'a amené où? Tu n'as pas honte. Vous vous plaquez dans un pantalon, vous baissez vos pantalons pour montrer vos caleçons. Des caleçons sales, sales là. Toi-même, tu n'as pas honte. Toi-même, tu veux vendre ton âme au diable. Même le diable même refuse ton âme. Ça te dit rien? Toi-même qui m'écoute, le brouteur là. Tu t'en vas, tu cherches médicaments. Tu veux donner ton âme au diable. Le diable dit non. Ton âme là, même son cadeau, je ne veux pas. Ça te dit rien? Ça veut dire viens à l'église, champion. Ça veut dire ton mouvement là, ça ne prend plus. Allez là, c'est Jésus qui est doux. Allez là, c'est Jésus qui prend. Vous savez ça, c'est pourquoi vous prenez le nom des hommes de Dieu pour faire broutage. Vous prenez le nom de tous les pasteurs là. Si ce n'est pas pasteur temps, vous prenez pour escroquer les gens. Pasteur temps, vous prenez. Mon frère, quand un mouvement ne prend pas là, il faut quitter dedans. Arrête de persister dans la bêtise. Vous salissez. Arrête ça. Arrête, champion. Ça ne prend pas, il faut laisser. Jésus a dit, il y a un verset même dans lequel Jésus même t'appelle pour te dire arrête de te fatiguer. Il dit, si tu es fatigué et chargé, tu es fatigué et chargé, blanc est devenu iré, il n'y a plus jetons. Même blanc est plus brouteur que toi. Donc, si tu vois que ça ne prend pas là, Jésus t'a donné un verset pour te tirer d'affaire. Il dit à toi, si tu es fatigué et chargé là, pardon, viens, il va te donner du repos. Donc mon frère, viens. Tu vois, non? Faut arrêter de prendre le nom des hommes de Dieu et puis raconter des... Et puis vous êtes là, vous salissez le nom des hommes de Dieu là. Ils ont déjà assez de peine. Les gars souffrent déjà dans des jeûnes, dans des prières. Les gars souffrent déjà. Leur nom est déjà gâté. À cause d'un groupe de ripoux qui a pourri le milieu évangélique. Un groupe de ripoux, un groupe de je sais pas moi, qui... Mon frère, le faible reste de l'éternel là, la réserve de l'éternel là, ne venez pas jeter le discrédit sur eux. Laissez-les où ils sont. Mon petit nom là, laissez. Ça, c'est un conseil que je vous donne. La prochaine fois que je vais continuer de recevoir des plaintes des gens, je vais faire un direct où je vais vous maudire jusqu'à la fin. Vous les douteurs là, je vais vous maudire jusqu'à la fin. Jésus nous demande de bénir, non de maudire. Mais attends, il y a quoi? Est-ce que vous m'avez déjà vu faire un direct pour parler comme ça? Mais trop, c'est trop. Arrêtez. Il y a des gens qui croient en moi. Il y a des fidèles qui croient en moi. Il y a des gens pour qui je représente quelques... Mais vous n'avez même pas idée. Arrêtez ça. Je referme la parenthèse. Donc, Wodragos, princesse,
quoi? Va, si quelqu'un du nom de Lipada, tu causes à lui en inbox et puis il te demande l'argent, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais fait ça. Il n'y a même pas quelqu'un ici qui est connecté qui va dire qu'il a échangé à un mois, puis je lui ai demandé l'argent. Il ne peut même pas même écrire ça en commentaire. Ce n'est pas possible. Si c'est mon nom, ils ont décidé de salir là. Ça, je ne vais pas permettre. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, mais il fallait que je mette les points sur les i et les bouteilles. Sinon, sur les i et les bouteilles. Il fallait que je mette les points sur les i. Jésus m'a appelé à construire, à planter, à bâtir. Il ne m'a pas appelé à maudire. C'est pourquoi des gens sont là, ils font tout sur les réseaux sociaux. Je les regarde, je ne parle pas. Celui-là me prend, il me récupère ici. Il dit ce qu'il a envie de dire, je ne parle pas. Celui-là dit tant, tant, tant. Il dit tant, tant, tant. Je ne me justifie pas.